Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Ce cours présente comment réaliser un fond d'écran néon pour iPhone avec le logiciel GIMP. Pour commencer, je vais ouvrir une nouvelle image. Donc, fichier, nouvelle image. Donc, les valeurs par défaut là, de 640 sur 400 ne sont pas bonnes. Donc, l'écran d'iPhone mesure 320 pixels sur 480. Valider, donc il faut bien vérifier que ce soit pixel, valider. Donc là, nous avons notre arrière-plan. Nous allons ouvrir une fenêtre, donc fenêtre, fenêtre ancrable, calque. Donc, nous voyons ici dans la fenêtre calque notre arrière-plan. Nous allons aller dans édition, remplir avec la couleur de premier plan, donc, ce qui va nous donner un fond noir. Nous allons ajouter un cadre texte. Donc pour ajouter ce cadre texte, nous allons aller dans la boîte à outils, cliquer sur le A. Voilà. Nous allons choisir la couleur blanche. On voit ce qu'on écrit, valider. Puis nous allons tracer notre cadre texte. Donc il faut absolument qu'il soit de la même dimension que notre image. Voilà. Exactement au pixel près sur les bordures. Voilà. Nous allons donner un nom, donc NetProf. Voilà. Puis fermer. Voilà, nous avons notre calque NetProf. Nous allons aller dans le menu filtre, alpha vers logo, puis néon. Pas néon extérieur, juste néon. Voilà, la taille est de 30, là pour notre effet 30 c'est plutôt pas mal. La couleur d'arrière-plan restera toujours le noir, puis la couleur de la lueur, moi j'ai choisi vert mais on peut bien sûr choisir n'importe quelle autre couleur. Valider. Donc voilà, nous avons notre effet. Pour le centrer, il va falloir déplacer ces trois calques. Donc, pour faciliter, je vais les fusionner. Donc, clic droit, fusionner vers le bas. Nous allons faire la même chose pour celui-ci. Fusionner vers le bas. Voilà. Nous avons au final deux calques. L'arrière-plan plus notre effet. Alors, pour déplacer l'effet de manière à le centrer, je vais aller dans la boîte à outils chercher le pointeur en forme de croix. Voilà. Puis, je vais maintenir le clic gauche enfoncé pour déplacer mon calque jusqu'au milieu. Voilà. Voilà, mon effet est terminé. Il va falloir le fusionner vers le bas. Donc là, bon, c'est question d'esthétique. Voilà, pour vous montrer ce que ça donne. Puis, fichier, enregistrer sous. Donc là, on va lui donner un nom. Donc, NetProf. Voilà. Choisir l'extension. Donc, on va choisir JPEG. Donc, j'ai oublié d'ailleurs de mettre extension, donc .jpg. Voilà. Puis, enregistrer. Donc, exporter. Donc, on va mettre la qualité à 100%. Enregistrer. Et voilà. Notre effet est enregistré. Il ne restera plus qu'à envoyer cette image dans iTunes. Puis, dans l'iPod ou l'iPhone, faire en sorte d'utiliser cette image en tant que page d'accueil. Donc merci d'avoir suivi ce cours et à bientôt sur netprof.fr.